Bonjour à tous, votre JT des produits de bourse avec Trading Central. À la une de l'actualité, ce mercredi, on retrouve Essilor Luxottica, le lunetier franco-italien et le groupe Armani ont annoncé le renouvellement de leur accord de licence portant sur le développement, la production et la distribution mondiale de lunettes sous les différentes marques Armani. Les analystes de Trading Central sont baissiers sur le titre Evis 145 et 139 euros. Stellantis, le constructeur automobile, et General Motors ont signé un accord de rachat à deux titres portant sur 69,1 millions d'actions ordinaires de Stellantis, représentant environ 2,2% du capital social de Stellantis. Les analystes de Trading Central sont baissiers sur le titre et visent 12,80 euros et 12 euros. On passe à la stratégie du jour. Il s'agit de Carrefour, toujours contenu par la résistance clé des 17,06 euros. Le titre montre des signes de faiblesse sous ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances baissières, tandis que le RSI se maintient en territoire vendeur. Ces éléments milite pour une poursuite du repli à court terme en direction de 16 euros dans un premier temps, puis 15,01 euros. En extension, portez-vous à l'achat sur le Warren Put L711T mis par UniCredit de prix d'exercice 16 euros et de maturité au 14 décembre 2022. Enfin, notre coup de projecteur sur le CAC 40. L'échec des cours a confirmé le dépassement des 6400 points pourrait favoriser un retour de la pression baissière et ouvrir la voie à un mouvement de repli vers le support formé à 6030 points. Portez-vous à l'achat sur le Warren Put 48-17T émis par UniCredit de prix d'exercice 6075 points et de maturité au 16 décembre 2022. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.